Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de donc Mass Effect Andromeda. Nous repartons à la recherche des différentes stations, des différents... hop, voilà, crac. Les différentes missions que nous avons sur cette planète qui est Eos, hein. Je rappelle le nom de la planète au passage. Ça, j'ai déjà visité ou ça, est-ce que je me suis déjà arrêté là-dessus? La porte est grande ouverte là-bas. Je vais donc me dire que oui. Mais je sais qu'aussi par là-bas, il y a une navette. Hein. Je vais faire le tour par là. On l'a pas encore fait par là le tour. Je vois aussi qu'ici, il y a quelque chose qui a coulé bizarrement. Vraiment, j'arrive pas à les écraser, celle-là. Ok, si j'arrive pas à les écraser... Ok. Hop, tu es mouru. Je crois que c'est bon. Toujours en train de charger? Non, voilà, d'accord, il recharge pas en sprintant. Bien sûr que non. On visite l'endroit. Ah, moi, il y a encore une bestiole dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Du vanadium. Merci. Je prends. Ça, ça ressemblait vaguement à un conteneur, effectivement, une capsule d'omnigel. Crac. Ça, c'en est pas un. Ok, ça, je récupère la fluoride. Je l'ai déjà scanné. Bon, beaucoup de choses à récupérer, finalement. Il y a un drôle de bruit, mais pourquoi pas. Capsule d'omnigel encore et toujours. Donc c'est bien, on trouve du pognon. Ici, dans une poubelle, on trouve une bobine de calibrage turienne, bien sûr. Hein. Par contre, j'ai pas le droit d'aller dans l'eau, techniquement, moi, donc... Ah, ouais, c'est parce que là, il n'y a pas d'eau. Ah si. Le jeu qui vous nique. Ok. Et donc, c'est juste pour aller récupérer des munitions. Génial. Merci, le jeu. Donc cet endroit doit être un endroit de mission, à mon avis. Parce qu'il y a l'air d'avoir plein de choses à y faire, mais on n'a rien à faire, nous, pour le moment. Ok. On a déjà perdu une barre, malheureusement. Attention. Voilà. Ah. Oh. Je l'ai vu ton camouflage. Je l'ai vu ton camouflage. Où est ton petit frère? Il est loupé. Ah bah, il y en avait deux. Il y en a même plusieurs, en vrai. Voilà. Et voilà, toute la famille a été génocidée. Non, il reste encore papa là, non, c'est ça. Joli travail. Crac. Cependant, on a vu aussi. Les ennemis. Ouais, enfin bon, ils sont un peu casse-couilles sur les bords ceux-là. Là, par contre, c'est intéressant. Est-ce que je passe là-dessus? Non, je passe pas. Voilà, allez. Ah, ça pue du cul cette histoire, hein. Je veux pas dire, mais là... Ah si, le boost marche dans les deux sens. Ça, c'est cool. C'est très très bon à savoir. Donc, je ne peux pas me rendre au milieu de cet endroit pour le moment. Hop.
c'est que ce bordel? Oh là! Ennemi droit devant. Alors vas-y, prends le snipe. Voilà. Voilà. J'ai plus que 12 balles. Il fait très très mal, mais. Passe pas devant moi, hein. Ah d'accord, il y avait un truc à mes pieds. C'en est un ou. C'est un cadavre. Bon, je pense qu'on en a suffisamment tué. On s'approche du camp maintenant, enfin de la zone. Du nickel. Nickel. C'est bon, c'est scanné, c'est prêt. Ok. Lithium, merde, j'aurais aimé le dépouiller. Mastic Kert, se revend contre des crédits, valeur faible. Gouverne de vaisseau Kert. Élu Kert, forcément. C'est les gens que j'ai butés. Gouverne de vaisseau Kert. Pourquoi me fais-je tirer dessus? Par quoi et pourquoi? Voilà. Voilà. Voilà, problème résolu. Problème encore une fois résolu. Dépouille, ici je prends. Filament de coque. Ok, pourquoi pas. Aucun d'entre vous n'avait quoi que ce soit sur lui d'intéressant, bien sûr. Donc j'ai encore l'impression d'avoir fait ça pour rien. Mais c'est pas grave. Suite. C'est encore des machines. Pour l'instant, j'ai pas envie trop de les agresser parce qu'elles sont pas excessivement violentes pour le moment. Oh. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Ici ? Ok. Je suis le premier surpris, à vrai dire. Zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnier. Oh ! Cool ! Équipement. Alors du coup, est-ce que je garde le shotgun ou pas ? Il faudrait que j'ai ce niveau 3. Aptitude de combat 3, holster supplémentaire. Donc aptitude de combat. Donc on va aller voir les différentes aptitudes dans le personnage. En l'occurrence, c'est ici, c'est dans les compétences. Aptitude de combat 3. Voilà, 9 points de compétence investis dans le combat. C'est pas ça? Outil de combat? Bon, j'imagine que c'est ça. On va mettre des points ici. Parce que finalement, les fusils d'assaut, on s'en sert bien. Hop. Et donc là, il me faudrait 4 points pour passer au rang suivant. D'accord. En termes de tir général. Je pourrais mettre des points fuite précision parce que je vais en avoir besoin finalement à la fin. Donc si je fais ça, qu'est-ce que ça te parle? Profil déverrouillé soldat, d'accord. Est-ce que ça veut dire que j'ai accès encore à ça? Toujours pas, je suis à combien de points mis dedans? 7. Forcément. Au niveau des profils, je sais plus où c'est. Soldat, voilà. Bonus de dégâts des armes, là je suis en explorateur. Bonus de rang 1, plus 5% dégâts des armes, vitesse de rechargement des pouvoirs. Biotique, téléportation biotique, d'accord, ok. Et soldat, il a quoi comme pouvoir à l'heure actuelle? Offre un menu de dégâts exponentiel pour chaque cible tuée dans un bref délai. Mouais. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Même si j'ai l'impression qu'en termes de stats, en elles-mêmes, ce sont justement celles-ci qui pourraient me convenir au mieux. Alors, il m'a dit, j'ai obtenu une... Oui, tu m'as dit que j'ai obtenu une carte des... Des zones minières. Zone minière ordinaire, riche. D'accord. Je suis ici. Je pourrais aller là. Il faudrait que j'aille là aussi. On va commencer par aller là. On va revenir sur la mission après. J'ai envie de voir ce que c'est qu'une zone minière quand même. Les niveaux de radiation augmentent. Pionnier, il
est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez... On dirait une sorte de complexe Kern. Ah merde! On les a vus étudier cette technologie sur l'Habitat 7. Je doute que ce soit une coïncidence. Mais si on veut y jeter un œil, il va bien falloir qu'on y aille. Apparemment, c'est ici que c'est intéressant. C'est au bord de ce caillou. Alors, est-ce que c'est au bord de ce caillou? Et je viens de voir un truc qui brille derrière, regardez. Oh, c'est intéressant. Où est-ce que vous pouvez optimiser votre... On va le lâcher ici. Crac. Wow! Oh! Je croyais qu'il allait me foncer dedans, il allait faire BLOM! Mais c'est pas plus mal. Ça marche bien en fait. Cool! Cool, cool, cool. Bah, je suis assez content d'avoir réussi à faire. Ah la vache, il délimite une zone autour. Oh, excellent. Excellent, excellent. J'adore forcément. Carte. Mais j'y étais? J'étais dans la zone ou... J'y étais même pas? Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Mais j'y étais absolument pas en fait. D'accord, j'en ai juste moult à envoyer. D'accord, ok. Ok, ok, intéressant. Ça me permettra de farmer un petit peu tout ça. La mission. Je ne trouve pas les dangers de la route particulièrement romantiques. Intéressant ou pas, les cailloux, ce n'est pas bon pour le nomade. D'accord, c'est là où nous étions la dernière fois. On y va. On va scanner ça. Composant. Prendre. J'ai un composant pour le projet du site 2. J'espère bien que c'est pas la seule chose qu'il y a à faire ici, qu'il y a bien un cadavre ou un truc comme ça, parce que... Apparemment non. Par contre là-bas, à Chai, il y avait un truc. Je le vois plus. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc. Carte. Carte. Différents étages, ok, oui. Viabilité 9%, pourquoi pas, effectivement. Hein. Où est la suite? La suite est ici. D'accord, mais la suite est en hauteur. La suite est en hauteur. Comment suis-je censé atteindre cet endroit? Bah, la suite a aussi disparu de mon écran. Au passage. Pas le bon sens, Marcus. Crac. Oh, ok. Pionnier, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Oui, j'ai déjà fait. Extraire des minéraux via votre interface minière. Oula, il y a moult ennemis en face. Finalement, ah si, j'ai vu du mouvement. Apparemment, il a l'air pressé de partir.
Désolé pour ta tête. Bouclier actif. J'encaisse. Ah oui, tu m'as foutu les boules, toi. Le niveau de radiation ne présente pas de risque. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Désolé. Carte d'approche. Ah d'accord, ok. Boom, bitch, get out the way. Allez. Là. Navette ennemie en approche. Oui, bah vous pouvez amener autant de navettes que vous voulez, hein, y a pas de souci. Consacré. Boum. Les petites cibles d'abord. Elles nous font autant de dégâts. Finis-le! C'est bien. Ça fait mal? Voilà. Ok. Ça se passe plutôt bien. Oh la chute! La douleur de cette chute, il y a un truc à scanner dans le coin. Éviter de me... Voilà, travail d'équipe. Je peux scanner toutes les barrières cinétiques pour avoir deux trucs? Ou c'est juste histoire de... Générateur d'énergie carte. Désactivé. Ce qui donne... La fin des couvertures. Ok, pourquoi pas. Désolé. Excellente question à vrai dire ça. Est-ce que c'est vraiment pour nous? Est-ce que c'est nous qu'ils attendent là actuellement? Sachez que j'ai des doutes à ce sujet. Oui, je crois bien que tu veux me faire aller à l'intérieur, mais... Ouais, en fait le machin se trouve, il est juste là le truc qui scanne. Dépouille. Hop, allons voir. Fiole enzymatique. Ok. Ils auront plus de barrières. Ah. Ok, je sais pas si ça sert à quoi que ce soit ce que je scanne là. Technologie de noyau, oui, si tu le dis. Dépouille. Crac, limiteur d'impact, valeur faible. Faut bien protéger le monolithe. On va devoir couper l'alimentation du bouclier. Monolithe. Tu peux le ramasser de là, y a pas de souci, hein, mais. Ok. C'est un excellent point de snipe, ça par contre, je veux pas dire, mais. Ils ont eu 1000 occasions de. C'est encore protégé, j'imagine? Oui. Ok. C'est quand même pas celui qui est juste devant qui va. J'ai rien dit! Autant pour moi! Tâchons de l'atteindre avant qu'on en ait d'autres. Apparemment, c'est une mission que je n'avais pas à faire. What? C'est quoi ça? Bonjour.
Tu m'as l'air à la fois sympathique et pas sympathique. C'est rigolo. Serais-tu une espèce de grand... Ah non, je vais dire de grand méchant, mais non. J'aurais dû reconnaître les pieds, j'ai été con. Vous êtes qui ? Drac. On vient du Nexus. Initiative Andromède. On ne vient pas chercher les ennuis. Il baisse les yeux, mon personnage. Si vous le dites... Je sais toujours pas qui vous êtes. Oh, allez, Drac, arrêtez. Vetra, qu'est-ce que vous faites là ? J'accompagne le pionnier. Ce pionnier-là. Les amis de Vetra sont mes amis. Ah ! Ah ! Ah ! Content d'avoir emmené Drac, Vetra. Du clan Nakmor. Dac ? Vous m'excuserez de pas faire confiance à des inconnus du Nexus, mais on peut pas dire qu'ils aient bien traité les Krogan. Ouais, je suis au courant. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? On explore. On examine ces monolithes. L'Ekirt semblait s'intéresser à celui-ci. Mais on dirait que vous avez fait le ménage. Vous vouliez que je vous en laisse un peu ? Le Nexus. J'aurais pas dit non. Que dalle sur l'Ekirt. Il se croit en sécurité. Mais c'est juste des morts. Il est bien son couteau. Ça fait un moment que je baigne dedans, moi. J'ai déjà détruit des bases Kirt et combattu des troupes sur deux ou trois planètes. Je sais de quoi ils sont capables. C'est pas beau à voir. On aurait bien besoin de quelqu'un avec vos compétences. Je suis tout à fait d'accord. C'est tentant, Vetra. Mais je suis un peu trop vieux pour gagner un combat pour des humains. En plus, le prenez pas mal, mais j'aiderai à nouveau le Nexus le jour où les nuages se dissiperont et les cartes mordront la poussière. Je le prends pas mal. Parce que je m'ennuie. Les cartes se renforcent. Il semble s'intéresser de près à cette technologie alien. T'es génial, toi. Je vais aller en trouver d'autres à allumer. Faites oh, pardon. Attention à vous. Mes nuits sont courtes. Ok. Bon. Bon, oui, j'imagine qu'il y a plein de trucs à scanner, effectivement. Qu'est-ce que ça, artefact ? Putain, ça s'ouvre pas, ça ? Tu te fous de ma gueule ? Il y a une porte qui a l'air de vouloir s'ouvrir, un terminal, ça y est. Note récupérée. Seul le titre de ce message peut être traduit de manière compréhensible. Le reste est un mélange d'écriture Kirt et de notes rédigées dans une langue de la Voie lactée. Il semble que les Kirt aient extrait des recherches provenant d'une source inconnue, certains fragments. Lui tirer dessus pour voir, il faudrait plusieurs heures de tir nourri pour en enlever ne serait-ce qu'un morceau. Ces observateurs se sont mis à sortir de la navette, c'est bien plus lourd que ça en a l'air, mais sans mes pouvoirs bétiques, j'aurais de gros problèmes. La dernière fois, je l'ai fait tomber sur pied, sans doute, hein. Encore passer mes capteurs en me mettant à l'abri, ces salopards sont décharnés, ce ne sont pas... D'accord. D'accord, découverte de recherche, intrus détecté, solide... Cet idiot dégénéré d'ici demain, Krogan. D'accord, donc il parlait du Krogan. Ok, cool. Drac. Non, je veux pas sortir tout de suite. Ah. Bonjour, humain décédé. On peut pas revenir en arrière. Mais on honorera sa mémoire. Tout à fait. Sans aucun doute, pionnier. Registre audio, écoutez. Un invaincu. Un registre de terrain, pionnier. Remis à une patrouille Kirt. Oh, pardon. J'ai oh là là. J'ai besoin d'une traduction pour savoir que j'entends un monstre. Ajout à la base de données linguistiques. Cool. Avec ça, il pourra recréer la langue, en fait, plus ou moins. Autopsie. Traduction partielle. Espèce inférieure, quelconque élimination. D'accord, ça met dans l'ambiance. Tous les composants du site 2 sont présents. Direction la station de recherche du site 2 pour voir ce qu'on peut en tirer. Scanner des glyphes avec le scanner des glyphes. Il va y avoir des glyphes quelque part. Le plafond. Non ? On a trop de missions en cours, je vois pas suffisamment ce qu'il y a sur la carte. Ok, tâche supplémentaire.
suis désolé, hein. D'accord, donc ça c'est pas prévu pour l'instant. Bah, où elle est là? Le monolithe. Où elle est la quête, le monolithe? Incroyable! Bon, alors faut que je trouve des glyphes. Si je vois un truc là-bas et un truc jaune ailleurs, ce serait peut-être ça. Non, je sais pas. Trouver des glyphes, ils sont rigolos, eux. Ah bon? Ah non, il a pas voulu. Trouver des glyphes. Pourquoi c'est jaune? Là. Chercher des glyphes avec le scanner. What? Attendez, on va quand même en chercher dans le bâtiment parce que ça doit être là, mais on le voit pas. Des glyphes. Qu'est-ce qu'il appelle des glyphes dans le sol? Tiens, fragment technologique. C'était ça qu'on cherchait? Non. Non, non, non. Plafond. Plus. Autour de ça, non plus. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait même pas de... Ou alors c'est dans le truc tout à l'heure que j'ai pris le composant. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, ça m'intrigue. What the fuck? J'en vois pas. Alors, pour moi, ce serait ce truc-là. Mais je vois rien à scanner là-dessus. Je vois strictement rien à scanner. Il y a ce truc jaune là qui reste jaune de très très loin. Même à travers les murs. Alors. Vas-y, explique-toi. Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chercher les glyphes avec le scanner, le monolithe. On est bien au bon endroit, on est d'accord, hein. Parce qu'on a même plus la vibration, vous savez, des choses qu'on est censé chercher, donc je sais plus. Bah, je sais plus là pour le coup. Mastic, 4 paquets de gelée protéinée, pardon. Là, je sais plus du tout. Attendez, regardez. Qu'est-ce que tu m'indiques là? Vous voyez, il indique qu'il y a un glyphe, une espèce de glyphe à côté. Vous devez voir quelque chose de noté quelque part. Je sais pas où. Ce qu'ils appellent eux un glyphe.
Ah putain, c'est peut-être là-dessus, je suis con aussi. Peut-être pas du tout au bon endroit, moi. Comme un abruti. Non, saute pas, Marcus. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. C'est pas bien. Je suis con, c'est peut-être là-dedans aussi, tout bêtement, hein. Voilà, ça va sans doute être ça, non? C'est pas un glyphe. Finalement. Ok. Scanner du Nexus. Excusez-moi, j'ai eu un doute sur un truc là, sur ça en fait. C'est pas un instant. Capsule, console reliquate. Allons-y. Oula, c'est long à interagir avec. C'est intact, mais apparemment inactif. Comme le reste. Donc apparemment, il pourrait y avoir des glyphes. C'est ce qu'ils appellent des glyphes en tout cas. Ok, ça c'était un bruit très très rassurant. Ah, il y a eu un bip. Pilier reliquat, ok. Mais c'est quoi ces glyphes? Ah, c'est pas chiant. J'aimerais comprendre ce que sont censés être ces glyphes. Chercher des glyphes avec le scanner, vous êtes rigolo vous, hein, quand même. Je ne veux pas dire, mais... Je dirais même que vous êtes des comiques. Hein. Je sais pas quoi chercher. C'est ça qui est tout bête, c'est que je ne sais absolument pas quoi chercher. Est-ce que c'est dans le sol? Est-ce que c'est quelque chose que je dois voir de loin? Vous savez que je dois aligner? Sont élevés. Mettez-vous Vache. Immédiatement à l'abri. Ah, il s'appardonne pas là pour le coup. Ok. Les niveaux de radiation ne dépassent pas les limites. Et du coup, j'ai toujours pas de glyphes. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce principe de glyphes? Est-ce qu'il faut que je les pète? Apparemment non. Je sais pas là, chers amis, je suis un peu coincé là pour être franc avec vous. Là, je bug un peu dessus. C'est pas ça. Ok, je ne sais pas. Donc, ellipse, chers amis, ellipse, parce que là, je ne sais pas du tout. Ok, re, chers amis, alors, j'ai plus ou moins trouvé un truc. Parce que on m'a dit que c'était des puzzles, enfin j'ai trouvé certains que c'était des puzzles, du coup je me suis dit bon, je vais chercher un peu mieux. Et voyez ce que j'ai trouvé au-dessus, donc là je suis au-dessus en fait, tout simplement. Hein. Et j'ai trouvé ça, et ça c'est un glyphe. En fait il faut suivre tout simplement les câbles jaunes. Donc j'ai un glyphe, ouhou. Et là il n'y en a pas forcément, donc le deuxième, enfin le troisième il est où? Dans mon cul. Ou alors il est planqué derrière là-bas. Allez regardez, on le voit là. Comment? Les niveaux de radiation augmentent rapidement, pionnier. Le niveau de radiation ne présente pas de risque. Ok. Ok, donc tout bêtement en fait c'est ça, ok. Ok. Vas-y, fais péter ton deuxième glyphe. Je crois que ça suffira. Donc voilà, j'ai utilisé les deux, j'ai trouvé les deux glyphes, je peux maintenant utiliser la console. Voyons voir. Aucune activité pionnier, comme pour les autres. Aucune activité pionnier. Comme pour les autres.
T'es sérieux là? J'ai fait tout ça pour rien? Alors à tous les coups, je suis peut-être pas suffisamment avancé dans l'histoire. Aucune activité, pion. Tout bêtement. Il lui fallu que j'aille faire ça d'abord, c'est ça? Comme pour les autres. Ok. Bon. Attendez, je dois avoir un... Regardez. Je vais pouvoir aller sur la carte et me dire... Je vais me téléporter ici! Crac. Et donc, chers amis, on va cesser la prochaine épisode maintenant que je suis au courant de comment ça marche. Donc, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom, comme d'habitude. A plus! Pour d'autres aventures. Excusez-moi, au toto. Les fruits que je me suis concassé tout à l'heure. Salut!